au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Et depuis une éternité n'a pas vraiment changé la France. Passe les jours et les semaines, le décor qui évolue, la mentalité est la même. Tous des tocards, tous des fondus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, matraqueurs assermentés, pignolèrent leur besogne. C'est un pays de flics, à tous les coins de rue en assent. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent, ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine, du tout aussi fonctionne encore. Et tenez sous le signe de l'explosion. C'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. C'est parti très très vite. Déjà en
changer parcours.
pas ça, ça peut y avoir chez les premiers, mais ça ne passe pas. Ouais, tout à l'heure. Troisième, deuxième, le voilà. Ce jeune homme avait déjà fait des semi-marathons en moins de 59 minutes. Hein. Mais là, il a trouvé que Volbeck, c'était quand même un petit peu dur. On va mettre la coupe du deuxième. Alors, premier, donc, Lydia Gurgat, 1h19 minutes et 1 seconde. Passa a língua agora.